gagné 766 000 soldats qui étaient et président russe là Vladimir Poutine lui-même lui pas souhaité augmenter effectif si là yo di yo quitte effectif là yo mettez plus modernisation yo update et bien pour capable faire service là mais faut me dire dans la mairie là gagne trois branches qui branche yo y gagne les forces terrestres gagne les forces aérospatiales gagne la marine qui là et en dans la mairie compatriotes Haïti Media on yo on est respect pour nous tous. Information poté. Pays la Russie montre volonté pour vin aider pays d'Haïti nan impasse qu'elle trouve qui c'est insécurité, instabilité politique. Fòm di nou suite avec ça qui passé en dans village là, gen en pile réaction qui commence à soulever et ou vle vini. Est-ce qu'il y a quitté ou vini? C'est la grande question, mais qui te m'di nou avant même ba nou plus détails pour fi a bénéfice là, avantage là c'est pour qu'il y ait à chaque fois ou abonné avec channel YouTube Haïti Media on an, et pas oublier Haïti Media on ni c'est gros bout de tonton média dans affaire information sur toutes réseaux sociaux. Fanatique Haïti Media on yo, faut me dire nous vie avec ça qui passé en dans village de Dieu qui la cause toute police ça yo perdit la vie en dans et m'a bon menti c'est un dérespectant yon soufflette marasa que instance policière yo prend non seulement bandi yo tirer policier yo et pas ka jeune koyo nèg yo acheter seke yo yo fait enterrement yo en dedans et yo quitté famille nan crier et bien pendant pile l'autre pays vie avec ça qui passé en dedans il y a sorti note par exemple aux États-Unis qui dit li sorti une note de condoléances sympathie avec tout peuple haïtien avec tout monde tout parent victime yo et bien gen l'autre pays qui fait le contraire non seulement yo déplorer ça qui passé en dedans village de Dieu en même temps tout yo choisi pote support yo pour dire yo vle vini mais question qu'a posé est-ce qu'il y a quitté moun sa ou même entrer nan pays d'Haïti. Est-ce que instance concernée yo, est-ce que nèg bandi avec yo parfois, est-ce que y a blé moun sa ou vini parce que si yo vini, nous penser quand même résultat que nous tout aprévi a, nous capable joindre yon lè. Ki te m'di nou, la Russie c'est deuxième puissance militaire nan monde lan après pays États-Unis. L'armée russe a gen yon effectif qui c'est 5.2 millions nan l'année 1989, li t'ap pral réduit nan l'année 1996 à 1.5 millions. Et selon sondage qui était fait dans l'année 2013 à nos jours, gagné 766 000 soldats qui étaient et président russe Vladimir Poutine lui-même lui pas souhaité augmenter effectif si là, yo dit yo quitté effectif là, yo mettez plus modernisation, yo update et bien pour capable faire service là. Mais faut me dire dans la mairie là, gagné trois branches, qui branche yo yé, gagné les forces terrestres, gagné les forces aérospatiales, gagné la marine qui là et en dans la mer tout gagne trois services qui indépendants. Est-ce que c'est un dans service ça yo nous pral joine qui pral porter la main forte qui pral porter soutien pour pays d'Haïti gagne les forces de fusées stratégiques gagne les troupes aéroportées gagne les forces d'opération spéciale c'est est-ce que c'est dans force opération spéciale là que n'a joine si dans l'inde jeune l'étape vraiment bon ou bien stratégique là parce que entrer dans ghetto ça yo comme on mettait le mot stratégique peut-être nous ca utiliser des stratégies pour nous entrer là l'étape vraiment important et intéressant fanatique Haïti Media on gien un bagage qui vraiment important là qui me va le dire tout le monde connaît peut-être li c'est un mythe ou bien une réalité c'est nous même qui va le décider qui s'allier nous connaît pays États-Unis soi-disant li ses amis Haïti yo sorti note de sympathie yo regrette ça qui passé là yo déploré mais la Russie lui même li fait le contraire or la Russie gagnon titochon k'a boulé à nos jours là avec entre pays la Russie et États-Unis mais qui t'aime dou bon bon ti historicité bon bon qui les relations des pays ça a été commencé et n'a pas parlé nous changer première deuxième guerre mondiale nous connait tout bagage ça c'est ce qui a trait avec la deuxième guerre mondiale en 1939 et 1945 en septembre et bien nous connaît toute histoire déjà mais qui t'aime rappeler nous relations des pays ça a été commencé dans période 1917 pour te bout dans l'année 1991 qui était marqué la dissolution de l'Union soviétique. Fanatique Haïti Media on après dissolution ça forme dit nous derrière chaque action li entraîner une réaction. Après dissolution ça te gagne une guerre froide en deux pays ça yo dans l'année 2013 jour au marché et bien avec la guerre de Syrie crise qui était faite dans qui était gagné dans pays Ukraine et en même temps qui était tout débouché sur une guerre qui était la guerre de Donbass.
malgré te gen plusieurs traités de paix qui étaient élaborés dans moment sous réduction armes nucléaires, te gen un gros climat de défiance en deux pays. Dans février 2016, premier ministre Rusla qui relait Dimitri Medvedev, monsieur te utilisé yon expression qui c'est nouvelle guerre froide. M'pa bon menti, expression ça, li te mené en pile bagay derrière. Comme moi saut parler nous là de guerre Syrie, moi saut parler nous de crise Ukraine, mais qui te élaborer pour nous, bon ba nous plus détail dans ça gain pour avec guerre Syrie ça. Et faut me dit nous, c'est guerre ça tout qui cause Barack Obama, ancien président États-Unis lui-même, li gain un petit bouche qui pas trop goût avec Vladimir Poutine qui c'est citoyen numéro 1 dans pays la Russie. Et ben qui t'aime dit nous fanatique Haïti Media on révolution ou bien guerre syrienne dans lui-même, c'était un conflit armé qui t'est commencé dans l'année 2011. Guerre ça a été démarré et dans quelques manifestations, même j'en connais la population haïtienne là, il a fait des manifestations pacifiques. Et bien il a fait manifestation pacifique tout en faveur de la démocratie contre régime baasiste. L'aime parler des baasistes, ma privé sur l'italien, c'était président Bachar el-Assad qui t'a dirigé régime ça. Et régime là, il t'a torturé mouvement, c'est ça que t'a pris la cause, il transformé petit en une rébellion armée. Fanatique Haïti Media on prend Tichesbourg, on pral dou, on sait ce qui a trait avec régime ou bien système politique des pays ça yo. Pour pays la Russie lui-même, c'est la dictature pure, et en même temps pour États-Unis lui-même, c'est la démocratie. Et vous toujours vous comprendre, yo c'est bassin ou le bastion de la démocratie. C'est ça, vous toujours vous comprendre, démocratie c'est la caillou que lié malgré te ouais dérive qui t'est passé 6 janvier. Nous rappeler nous qui ça Donald Trump lui-même li t'est fait. Fanatique Haïti Media on m'a commencé pour me dire nous régime ba, c'est ce que m'a parlé nous là, ba c'est un mouvement politique arabe et socialiste. Et bien faut me dire nous, il était commencé au début du 20e siècle, c'est là qu'il était commencé. Et bien faut me dire nous, tu gagne gros penseur syrien qui fondé et parti ça, mouvement politique ça. Et en même temps gagne un nèg yo nan penseur yo, yo relé monsieur lui-même, monsieur gagne un nom qui est Michel Aflak. Et ba el-Assad, c'est président de la République arabe syrienne, dans juillet 2020, jusqu'à journée aujourd'hui, monsieur toujours là, nous comprenons, monsieur qui a à peu près 20 années, quelques mois, dans tête pays. Fanatique Haïti Media on, bagayou en pile, bagayou drôle, et forme dinou tout, crise Ukraine, ça a quitté débouché sur la guerre de Donbass là, qui t'aime dit nous, il était commencé le 21 novembre 2013 pour être gouvernement ukrainien lui-même, il était décidé pas signer accord association entre Ukraine et l'Union soviétique. Ça fait comprendre entre la Russie, entre Syrie pardon, et puis pays Ukraine gagnon torchon. Il dit youn nan de pays sa yo, en parlant des États-Unis et puis la Russie, youn fait gagn youn qui se partisan l'autre. Les n'a parlé de Syrie li même qui gagn pour avec démocratie, et bien nous capable wè li même c'est petit ou bien c'est un ami pays États-Unis, et en même temps Ukraine dans lui-même c'est pour la Russie. Nous ga comprendre ça qui passé là. Et bien faut me dire nous, puisque me dit nous la Russie lui-même lui pas mélanger avec bagaille démocratie. Il a parlé même Jean-Moi il a parlé dans pays d'Haïti là, mais ça qui en Haïti est-ce que c'est la démocratie ou bien nous pas trop comprendre thème là, nous pas trop bien connaître comme vous botel ba nous prendre et puis nous commencer à utiliser le malgré nous utiliser le mal. Et bien faut me dire nous là, c'est guerre ça tout, guerre Syria qui cause ti bouche pagou qui gagne hein, non seulement sous gouvernement qui là journée dia en nan pays tonton Sam, et en même temps tout faut me dire nous ça, est-ce que c'est pour soufflette yon calotte marasa lié pour pays États-Unis? Et bien crise ukrainienne nan fanatique Haïti Media on qui te me dit nous à cause yote et gouvernement qui était là, gouvernement ukrainien te refusé signer accord, ça t'a pral cause gen en pile manifestation triboy pa bo qui t'a pral fait que te gen une démission président à l'époque. Et bien monsieur te pral démissionner le monsieur Lanoukovitch, et bien monsieur était démissionné pour te bay place à Oleksandr Turchynov. C'est monsieur lui-même qui te prend place Victor. Bagayo en pile dans la République Kounia en entré dans Karisam, sot fait yon ti historicité pour ou entre la Russie et ça qui t'a passé dans pays Syrie et pays et crise qui te gen en Ukraine. Kounia n'a pas entré directement dans règne Obama. Fanatique Haïti Media on qui te me dit nous depuis quelque temps nous connaît pays
États-Unis li nan compte avec et pays la Russie. Et en même temps tout Barack Obama me rappelle dans l'année 2016 monsieur lui-même tenait en conférence pour la presse côté il te fait connaître gagne un piratage informatique dans élection présidentielle qui te cause Donald Trump te vin président et te dit c'est la Russie même qui complice et pas oublier next en parlant de Donald Trump lui-même lui plus en accord avec Vladimir Poutine mais pour Barack Obama qui c'est un démocrate et nek qui la kounya monsieur lui-même tout qui te nan gouvernement bien administration et Barack là m'a parlé de Joe Biden monsieur tout jusqu'à présent là ça situation toujours à briller nous capable comprendre ça petit tig c'est tig mais question m'a posé pour tant date États-Unis li là dans pays d'Haïti et garder ça passé dans pays là li style voyer un note de sympathie li dit que li regrette ça passé là bail conseil mais kounya là est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a sorti côté le sorti avant Haïti Media on pour vini là pour ba nous solution avec problème là question m'a posé est-ce que nous même qui c'est fanatique Haïti Media on est-ce que n'ap d'accord pour Vladimir Poutine vin avec tout li là gouvernement russe vini voye délégation pour vin résoudre problème insécurité si nous d'accord mettez le dans commentaire et puis t'aller comme ça nous pral garder nous pral li commentaire et pas oublier la doctrine de Monroe l'Amérique aux Américains ça li vraiment si toutefois si toutefois que Vladimir Poutine ta vinn là faut me dire nous ça li vraiment pas kembe parce que nous connaissons ça ou t'a parler ou pas mélanger continent yo plan rien tout ça qui a passé en Amérique crété pour les Américains et nous pral wè bagay ça ou là et bien c'est la Russie li même qui veut venir est-ce que président Jovenel beaucoup te parle l'a accepté pour président Russie lui-même voyer délégation pour le vin là en tout cas si ces pays n'a fait ça qu'a passé dans pays là qui gain quelque temps depuis États-Unis lui-même fait nous comprendre c'est lui-même qui zanmi nous c'est lui-même qui bon partenaire nous mais il pas jamais fait rien il pas jamais dit rien vu avec tout ça qu'a passé là elle toujours kembe pays là l'a tranglé il prend pays là dans gauche et tant coup son bloqué l'a vidé et puis il mettait récipient en bas dans ça là qu'elle a vidé de l'eau sur pas soit qu'elle lié et bien nous-même si on illusion nan tête nous comme quoi nan ça la met pour nous qui choix la ba nous hein li pa prè ou mais non faut me dire nous là n'a regardé toute crise toute ça gagne dans pays là toute insécurité quant à pour élection yo mandé élection et bien faut me dire nous moun ça ou même et la Russie Vladimir Poutine bon côté parle li dit lui même non seulement le déplorer ça qui passé mais il veut venir pour te secou en tout cas si n'a tande Vladimir Poutine dit nous oui ou tande ni pour qu'il soit tande est-ce qu'on pense lui même li capable résoudre problème ça malgré nous connaît États-Unis lui-même est-ce que la baie Jovenel l'ordre permettez-moi est-ce que la baie Jovenel l'ordre lui-même pour dire accepter et décision Vladimir Poutine la volonté qu'il gagne pour venir de nous c'est la grande question pas oublier ou sous Haïti Media on laquelle dans commentaire et puis nous-même n'a pas regarder qui ça réponse au même yoyé quant à pour moi-même moi j'étais n'a croiser dans une prochaine vidéo et nous te parlons de dossier la Russie mais nous pas entrer dans détail. Dans vidéo ça, vidéo qu'on regarder kounia. Nous pral porter pour intégralité discours ça que porte-parole ministère affaires étrangères russe l'a fait dans Moscou journée 12 mars 2021. Nous pral porter tout discours pour en créole pour capable comprendre qui ça dit là-dedans. L'entendez la Russie dit li ouvert bral li vle aider Haïti saute nan sa ke liye jounen jodi a pa wèl kòm yon bagay ki très simple c'est comme si m'tadou la Russie vle entrer nan yon nouvel guerre froide avec les États-Unis d'Amérique si n ap essayé retourner dans l'histoire après la seconde guerre mondiale mesdames et messieurs l'URSS, c'est vrai que le patap tire coup de zam avec les États-Unis d'Amérique, mais yo te en guerre. Yo te en guerre par pays interposé. Si n'a pli histoire, si n'a fait histoire, on entendait parler de la guerre des Corées, par exemple, 50-53, après la Seconde Guerre mondiale. Si n'a fait histoire, nous capables, bien, nous entendait parler de la guerre des fusées. Dans le pays Cuba, l'USS a déposé plusieurs missiles dans le pays Cuba
franchement, gon guerre qui était manqué éclaté entre les États-Unis et l'URSS. Peut-être ça on parlait de guerre froide parce que deux pays yo, yo pas de jambes à bataille directement mais par pays interposé. Yo tap bataille parce que tu gagne deux idéologies qui tap dominé le monde là, tu gagne deux blocs, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest et bon, là c'est détail juste parce que m'pa vle entrer dans question guerre froide peut-être. L'autre jour m'a parlé de question ça. C'est juste pour me dire non. Off ça, entendez là aussi fait nous, c'est pas parce que le remet non. C'est parce que tout simplement, ils voulaient attaquer les États-Unis d'Amérique. Et le map lit discours porte-parole ministère affaires étrangères russe là, c'est exactement ça que moi. Ouais. Et les amis, gain parole. On garde pour nous, ou capable ouais document sous écran là, document en anglais, mais nous essayer traduire en créole pour capable bien comprendre. Qui sa porte-parole ministère affaires étrangères russe là li dit. Mais qui ça le dit? Et c'est dans discours ça que yo tapral prend pour te fait tweet que tu fait parole là li gayé un peu partout là dans pays à côté nous tout nous dit la Russie dit li vle aider Haïti. À la vérité, yo dit yo vle aider Haïti. Yo dit ça. Mais dans discours c'est vraiment États-Unis qui attaque. En aller les amis. Dans discours, votre parole a commencé pour dire comme ça. Nous recevons un pile question sous sa cape développée dans le pays d'Haïti dans le moment où nous avons parlé là. Puisque nous recevons un pile question, moi abayon réponse de manière générale qui a un rapport avec toute question que nous joignons. Il continue pour le dire. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous suivons de près tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et puis, ajouté, apparemment, c'est parce que yo connaît la Russie, c'est même permanent organisation hein, qui fait yo poser toute question ça ou dans contexte ça. Donc est-ce que nous bien entendez ça le dire? Il dit comme ça, yo recevoir un pile question qui a rapport avec pays d'Haïti, etc. Mais il pensait c'est parce que yo au courant que la Russie fait partie du Conseil de sécurité organisation et son membre permanent que lié qui fait yo poser toute question ça. Donc la baille en réponse de manière globale sur toute question que le joigne. Il continue pour le dire. N'a suivre de près événement yo dans le pays d'Haïti et ça qui a passé yo, yo inquiété nous en pile. Dans le moment on a parlé là, c'est porte-parole là qui a parlé. Pays ça qui trouvait le Caraïbes a traversé une nouvelle vague instabilité politique qui dirait plus passer un quart de siècle. Là, il dit très clairement que crise là que nous avons vu là sont crises qui dirait plus passer 25 années. Il continue pour le dire. Pays d'Haïti, c'est un pays qui dévasté par une crise sociale et économique majeure. Situation ça avec quelques changements de tel ou tel côté, vin yon mode de vie normal pour Haïtien. Donc, li déclaré, ça n'a vivre la crise politique, nous tellement c'est ça n'a fait depuis environ 25 l'année, li vin tourner en bagay qui normal pour nous-mêmes comme Haïtien. Li dit, jodi a, li important, li naturel pour nous poser tête nous, yon question. Qui côté problème ça yo, yo sorti? Est-ce que vous entendez? Il dit l'important, naturel pour nous poser tête nous une série de questions pour nous connaître qui côté problème pays d'Haïti a le sauté. Autrefois, hein, c'est lui qui a parlé. Haïti, c'était un pays riche. Il était même considéré comme l'appel des Caraïbes au XVIIIe siècle. Haïti, c'est le premier pays dans l'Amérique latine qui prend indépendance. Et il te baille un exemple dans ce qui a un rapport avec le développement. C'est ça, porte-parole là, déclaré. Donc, il pose tête des questions. Hein? Il dit, il est naturel pour nous poser tête des questions. Qui côté problème Haïti a sauté? Et puis, il rappelle que, autrefois, nous sommes importants, nous sommes belles dans le monde. Il continue pour le dire. Pour qui ça, aujourd'hui, Haïti trouve la situation ça? Côté, toute journée, c'est problème. Pour qui ça, Haïti, c'est pays qui plus pauvre dans la région aujourd'hui? Pour qui ça Haïti tourne un problème Conseil Sécurité Nations Unies pour qui ça c'est
question l'a posé. Il fin poser question, l'a essayé répondre. Il dit gien des raisons pour ça. Donc il fin poser question pour ça nous trouver dans situation et puis il dit gien des raisons pour ça. Et c'est là il pral et c'est là il pral arriver sur États-Unis d'Amérique. Il dit gien des raisons pour ça. Raison ça yo. Yo gien rapport à question colonisation. Yo gien rapport à passé colonial pays d'Haïti. Continuez pour le dire. Problème interne yo qui gien rapport à question gouvernance dans pays a yo naturel. Haïti pays ça, li konnen en pile catastrophe. Pigwa c'est tremblement janvier 2010 là. C'est porte-parole ministère affaires étrangères russe là qui cap parler. Cependant, si vrai que Haïti gagne pile problème, catastrophe naturelle, etc., etc., il y a un autre facteur artificiel qui joue un rôle principal dans le trouble ça, dans le problème ça, qui gagne actuellement dans le pays d'Haïti. Porte-parole ministère affaires étrangères russe là dit comme ça, c'est vrai que il y a un problème, catastrophe naturelle, etc., etc. Cependant, il y a un autre facteur artificiel qui joue un rôle principal. C'est lui-même qui a le principal trouble ça que nous avons vu dans le pays d'Haïti. Là, les amis, l'a fait référence à une influence externe que vous imposez aux Haïtiens. C'est lui qui a parlé. Lui dit qu'il y a un facteur artificiel qui joue un rôle principal. Et puis il a ajouté pour le dire. Là, m'a fait référence à une influence externe que vous imposez aux Haïtiens. Et là, elle va poser une série de l'autre question. Il dit comme ça. Comment nous capables de qualifier autrement gros bâton permanent ça que nous les démocraties que États-Unis qui dit que c'est pays qui démocratique qui plus démocratique dans le monde a utilisé dans relation que le gain avec un pays d'Haïti. Même s'il pas cité non États-Unis directement, c'est moi qui ajoute États-Unis, mais il dit comment nous capables de qualifier autrement gros bâton permanent ça que nous les démocraties que voisin nous hein voisin pays d'Haïti là donc moi même intelligent m'gitan ouais c'est avec États-Unis que la parle. Continue pour le dire qui l'autre résultat nous ta capable attendre de on telle assistance extérieure qui passait en pile temps à soutenir pouvoir absolu clan Duvalier dans pays d'Haïti là l'a questionné. Hein, la questionner support que les États-Unis débattent avec M. Duvalier, le tap dirigé pays, agent que tap dirigé là. Il continue pour poser question ça. Il dit comme ça. Qui l'autre résultat nous ta attendre alors que États-Unis envahit Haïti deux fois en 1915 et 1994. Donc, yo envahit pays d'Haïti deux fois en moins de siècle. C'est ça, ces questions l'a posé. Et puis il continue pour le dire. Question ça yo, yo pas rhétorique, mais il y a un pile réponse pour yo. Il continue, il a posé question toujours à les amis. Il dit comme ça, qui l'autre résultat nous ta ka joindre avec yon présence extérieure qui prend plaisir, fouille bouche li bien longue en permanence dans vie économique et politique pays d'Haïti et qui a plaidé imposer haïtien yo yon série de moun pour diriger pays pendant en même temps y a imposé non série de moun pour diriger pays d'Haïti yo même hein yo même a parlé des États-Unis pendant y a fait ça même yo même nan yo prend plaisir dans créer conflit entre élite pays. Donc la Russie accuser les États-Unis d'Amérique parce que les États-Unis d'Amérique non seulement la fourré bouche bien long dans affaires politiques et économiques pays a mais tout yo accuser parce que l'a imposé haïtien on série de moun pour dire des moun que probablement peuple haïtien pas ta vle pendant l'a fait tout ça li prend 11 âmes li mette nan men chaque grain moun ki nan élite là et puis li fait abgoumer entre eux. C'est ça, la Russie, lui-même l'a dit en bon créole, les amis. Il continue pour le dire. Problème politique et social, ça yo, pas fait l'autre bagaille que augmenter problème yo, au lieu pour t'aider à résoudre. Si tout, dans une période,
si crucial dans une période ça côté une pandémie qui a ravagé le monde là. N'a comprendre que yo vraiment vraiment a attaqué les États-Unis à travers discours ça à les amis. Il continue pour le dire. Je dis à là Jean on sait de pays a agi dans le monde là et pratique mondiale là il prouvé plus d'une fois que toute exportation de modèles de développement étrangers sans li pas parler de on sait de bagaille que a imposé on sait de pays sans que yo pas même tenir compte de particularités de traditions de attitudes des racines historiques nationales de on sait de peuple pas fait l'autre bagaille que introduit un déséquilibre dans les éléments de base qui t'a capable utile pour développer un l'état. Li dit depuis un pays étranger a essayé forcer un autre pays pour intégrer un modèle qui pas pour lui en dans société là, pas fait l'autre bagaille que détruit des lignes directrices de développement et pas fait l'autre bagaille que perturber lien économique qui t'a capable de gagner en dans société ça en dans pays ça. Là aussi, il est vraiment, vraiment à frapper les États-Unis là, extrêmement fort. Continuez pour le dire. Bagay ça, vivine encore plus évident. Hein, problème ça, vivine plus évident. Le n'a pas gardé façon que on sait de pays, par exemple, à pratiquer yon gain yon position de double standard. Ça veut dire tel ou tel pays a une position, tel autre pays a une autre position en fonction de intérêt. Et là, par exemple, l'Icité, Venezuela, Cuba, la Syrie, etc. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire, c'est vrai que vous faites ce truc-là, vous dites, yap, aidez-nous, vous voulez aider-nous, etc. Mais, c'est pas nous. Que n'est pas parce que rien mais nous qui fait les hein yo dit yo les et nous parce que tout simplement yo besoin attaquer yon ennemi qui est les États-Unis yo connaît qui à terre là géopolitiquement yo connaît qui ça fait et ça les amis faut que nous mettons nos dimensions pour nous comprendre faut que nous mettons nos dimensions pour nous comprendre parce que bagaille yo plus compliqué que ça que nous tendez hein yeah, moi t'as pas information là m'a entré dans le discours m'a essayé well ensemble avec nous les amis donc là aussi critiquer les États-Unis le fait que ils ont façon que la fait politique dans pays Venezuela ils ont façon que la gérer question Cuba ils ont façon que la gérer question Syrie puis pour penser de l'autre pays qui pratiquement est dans même situation avec Venezuela Cuba etc et puis ils ont l'autre regard est-ce que nous tendez. Est-ce que vous entendez, les amis? La Russie dit comme ça, c'est triste pour nous aujourd'hui comment ils ont utilisé une double moralité qui n'a pas fait l'autre bagaille que détruit tout principe international, et etc. Ils critiquaient le fait que les États-Unis d'Amérique prennent plaisir, par exemple, à interpréter démocratie dans le sens pâle en fonction de l'intérêt qu'elle gagne dans tel ou tel ou tel pays. C'est ça, la Russie déclarée, mesdames et messieurs. N'a pas continué. Mais vraiment, vous êtes capable de là, vous frappez les États-Unis d'Amérique. Dans ce sens, vous dites comme ça, ben, vous même, c'est défi ça, que y a discuté, je dis à là, dans ce qui a un rapport avec un pays d'Haïti, et y a essayé de discuter également. Capable qui responsabilité yon série de états étrangers gagné dans ça que Haïti a vivre aujourd'hui a je dis on a parlé de la Russie si situation aggravée dans pays d'Haïti gens que aggravé aujourd'hui a ben il y a des pays étrangers qui responsable comprendre que gens comme ça dit nous là la Russie il a fait gros politique. Il continue pour le dire. Nous sommes convaincus que pays ça, on a parlé de Haïti avec Venezuela, on sait de l'autre pays. Ah ben, yo supposé poser tête yo de nombreuses questions désagréables
pour capable essayer joindre des conclusions qui sensées. Il dit comme ça, l'essentiel c'est pour vous rendre compte que de véritables objectifs de l'aide au pays qui dit que l'a aidé en l'autre pays, il n'est pas supposé entrer dans une logique pour l'imposer à un pays que le pral. Il y a des schémas qui va adapter à la réalité un pays ça. Mais plutôt, pays ça, yo, si vous dit aider véritablement, vous supposé aider pendant qu'il a quitté peuple ça, décider vous-même de destin, yo, de avenir yo, via un dialogue inclusif, via la formation d'un consensus public et politique basé sous droit interne pays ça yo, avec des normes internationales etc. sans que par une pièce pays étranger qui vient à faire ingérence dans sa capacité régler en interne dans pays ça yo. Bah nous l'en lia, mais j'espère que n'a bien compris. Et ça le dit, il gon part de vérité là-dedans. Il continue pour le dire ça yo, hein, ça comme ça dit là yo, c'est des vérités communes que yo est. Et chaque Nations Unies hein, parlait de ça. Mais malheureusement, malgré chaque Nations Unies parlait de ça, parlait du principe que les peuples, ben, ils sont supposés capables de disposer d'eux-mêmes, ils sont supposés capables de décider librement de l'avenir, etc. Gagne, malheureusement, des pays qui violent ça qui écrit dans chat là. Et gagne un pile acteur dans le monde là qui même oublié si chat ça lui-même existait. Et c'est approche ça que nous-mêmes dans le pays là aussi n'a pas préconisé. Et puis a continué pour le finir pour le dire comme ça. Puisque la Russie li attaché à un principe ça que nous joignons dans chat Nations Unies, eh ben nous disposer pour nous continuer fournir une assistance nécessaire à haïtiens yo à la fois bilatéralement, ça veut dire directement. Donc si pays d'Haïti décide d'entrer dans des matchs diplomatiques directs avec la Russie, donc yo disposé pour yo faire directement, donc Haïti la Russie, ou bien sous les auspices du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Donc yo dit yo capable de faire directement, ou bien yo capable passer par BINU pour capable faire ça que yo voulez faire pour pays d'Haïti. Puis li fini pour le dire. Nous avons intention d'aider le pays d'Haïti, rétablir la stabilité politique là dans le pays, pour maintenir sa sécurité intérieure, pour nous former une série de personnel pour lui, pour nous capables de maintenir la paix, et pour nous capables de garantir le droit de l'homme dans le pays d'Haïti. Les États-Unis d'Amérique, ben ça, le fin temps de dire ça, n'a pas compris que les États-Unis apprennent exactement pour s'allier à un discours très très politique. Yon appel très très politique. Oublier diplomatie pas faite comme ça. Diplomatie pas faite comme ça. Maintenant, qui ça Jovenel Moïse lui supposé faire? Ça c'est lui qu'on est. C'est lui qu'on est parce que justement, jusqu'à maintenant, bah ouais. Dans qui ça États-Unis et din là ça qui a avec question sécurité là. Peut-être c'est parce que ne pas demander qui fait ne pas joindre on pas connait peut-être si nous demander nous capable joindre support les États-Unis d'Amérique yo ka aider nous les amis yo ka aider nous. Donc avec démarche la Russie Jovenel Moïse supposé prendre responsabilité pour demander les États-Unis aide vinn aider avec question vinn aider résoudre problème ça. Même si c'est une intervention, par contre, les militaires supposé faire, mais que nous faisons pour nous jouer une solution avec le problème ça? Même là, je ne parle pas de question nationaliste, non, je ne parle pas de ça. Si son aide extérieure pour nous jouer, pour nous résoudre le problème ça, que nous jouons. Parce que la police nationale d'Haïti n'est pas capable. Déjà, alors, les deux, trois policiers ont dit qu'ils nous calmer nos opérations dans le village. Ils n'ont pas même déplacé le but en peur. Ils n'ont pas que le monde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris aller. Mais c'est l'esprit qui pris aller. Donc, la police nationale d'Haïti n'a pas qu'à résoudre le problème. Mais que nous profiter de l'occasion ça, ben, pour demander les États-Unis d'Amérique de
bon gens aide pour nous résoudre le problème. Encore une fois, j'aime te dire hier, diplomatie diri pas utile peuple haïtien rien. Diplomatie diri a qu'être lié l'elle. Lié l'elle. La Russie, nous tendez des déclarations même s'il attaque les États-Unis, il dit veut aider. Livre aider, mais toute aide livre bah là, c'est pour le cas montrer que les États-Unis pas utile noir. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, genre comme je t'ai dit dans le commencement de la vidéo, nous avons une logique de guerre froide là. Si ça t'a fait véritablement et que Jovenel Moïse t'a dit, bon, finalement, la Russie dit la PD, m'accepte, bah, ça. Qui sont pensés que tu es capable de passer après? C'est une grosse question que je suis posée. Peu importe, je pense que déclaration ça, il est capable de faire nous bien. Il est capable de faire nous bien parce que les États-Unis t'a dit, bon, là, la Russie a pas attaqué nous. Bon, bref, et puisque l'a attaqué nous, eh ben, que nous montrer qui ça n'est capable de faire. Que nous montrer qui ça n'est capable de faire. Et puis, on est capable de voir que bah, il a changé. En tout cas, même t'es.